Je commencerai d'abord par vous féliciter par rapport aux résultats que vous avez eu à faire dans la compétition nationale, la Linafoot. Donc, félicitations à vous. Nous devons continuer à travailler. On n'a pas dit que ce qui a été fait avant était nul. Donc il y a eu de bonnes choses, il y a eu une progression. Et pour arriver aux différents objectifs, c'est encore travailler dans la cohésion. C'est par ce discours de réconfort que Pamphile Miayo a rejoint ses poulains. Après environ 3 mois passés en Europe en stage de professionnalisation, le fils maison est de retour. Une première séance d'entraînement pour maintenir la flamme, Miayo et ses poulains vont passer les fêtes de Nouvel An avec à l'esprit le match retour contre Bouenguidi. Match du reste programmé entre le 5 ou le 6 janvier prochain, avec Isaac Kasongo comme adjoint et le même staff avec lequel Dragan Cvetkovic a travaillé. L'objectif est toujours le même, aller le plus loin possible en Ligue des Champions. Jeudi 31 décembre, dernier jour de l'année 2020, mais aussi jour anniversaire de naissance de Patou Kabango, chez Mazembe, il y a une culture. Et ça se fête.